Donc nous allons rapatrier le ressort dans cette scène du stylo. Donc ici vous faites fichier, importer, ressort, ouvrir. Donc là on va décocher l'option fixée au sol. On va même essayer de conserver l'original, mais je pense pas que... On va voir comment ça va se comporter. Voilà, le ressort se trouve au bon endroit, mais pas au bon niveau en fait. Donc ici, on va prendre ce ressort qu'on va sélectionner. On va masquer déjà la pointe. On zoome et on prend le ressort qui est ici, qui est correctement placé par rapport à la pointe, mais qui va falloir lever verticalement. On va faire un clic droit, déplacer la sélection. Et on vient ici placer le ressort au bon endroit comme ceci. On n'hésite pas à se déplacer dans la scène. Voilà, ça, il me semble un poil trop bas. Ok. Et on valide. Une fois que c'est fait, on lui donne le bon matériau. Je commence, c'est de l'acier. Comme ceci, voilà. Et on va afficher la pointe que nous avons masquée. Et vous voyez que de suite, ça prend une autre ampleur, en fait. Donc voilà, pour la partie manquante du ressort. Donc c'est intéressant, toute cette transparence. Et au plus, vous laissez le rendu au meilleur sur la qualité. Donc après, vous avez juste à cliquer sur rendu, ici. Et ajouter à la file ou cliquer sur rendu et vous choisissez toutes les options de rendu. Vous suivrez les modalités indiquées dans le cahier des charges quant à la résolution du rendu final. Hein, donc je vous rappelle, vous aurez deux rendus, un rendu intégré d'objets dans une scène, une photo que vous aurez prise, d'une table, ce que vous voulez, et un rendu en situation comme ceci, là, un rendu esthétique avec les résolutions qui seront indiquées sur le cahier des charges. Merci d'avoir suivi cette formation.